Et lorsque le prédicateur avait communiqué ce message au pasteur, le pasteur s'est exclamé, il s'est dit, j'entre en prière tout de suite. Vous allez remarquer depuis que nous étions à la retraite des pasteurs. C'est le même message. Quand nous avons organisé notre petite réunion ici, c'était en tout cas la même lancée. Et même ceux qui étaient avec nous à la préparation des cultes hier, vous avez encore insisté sur ces choses. Voilà ce que ça révèle. L'Éternel veut nous épargner de la mort éternelle. Bien-aimé, pour vivre dans la sanctification, pour vivre avec Dieu dans l'éternité, il faut honorer Dieu en toutes choses. Honorer Dieu. Donc il faut voir d'abord la priorité de Dieu. Qu'est-ce que Dieu gagne? Est-ce que ce que je fais est en train d'honorer Dieu? Tu peux te retrouver dans un coin perdu, personne ne te voit, mais pose-toi la question. Est-ce que c'est qu'on me propose là, est-ce que ça au nom de Dieu? Mais quand on était allé faire un voyage d'études aux États-Unis, on est arrivé dans une ville qu'on appelle Norfolk. Le soir, on nous a laissé, chacun devait aller dans un restaurant pour acheter un manteau. Avec l'ami congolais qui avait voyagé avec moi, nous sommes allés dans un restaurant chinois. Bien-aimés, nous sommes sortis du restaurant. Ils sont au bimi là, dans le restaurant. Il y avait des femmes prostituées dans des grosses voitures américaines, des Chrysler. Et ça qui pèse la passe en douba, pèse la zone, pour la mamie, tout caïminé n'est pas. Ici, quand vous voyez quelqu'un rouler à bord d'une Chrysler, vous trouvez extraordinaire. Là-bas, ce sont des femmes prostituées dans des Chrysler. Ah, bah, ce qui pour moi, n'est pas monté, tout pour la mamie, tout caïminé, pour moi, n'est pas monté, mais quand vous n'êtes pas dépassé à tout. Il nous faisait des signes là. La mère avec qui j'étais, il m'a dit, papa, faut pas y aller. Ne plus que pour la crainte de Dieu, il ne faut pas qu'on aille là. Nous sommes rentrés dans le flas où nous étions en deux. J'ai toujours gardé cette image. Ici les prostituées, ce sont des gens à pied ici, mais là-bas, elle a sa voiture. Ah, bah c'est un tout bas, ça va tout bas, la macro-location. Si la personne a été fou dans sa voiture, elle t'amène là où elle va. Là, on allait le chercher le matin, il était allé, c'est un jeune Congolais qui n'est pas là, il est embarqué par une bombe. Eh bien, si c'est, elle est dans un groupe de bandits, elle peut aller se faire assassiner. Ce qui peut assalir maintenant, quand quel scandale! Dans l'école royale, elle a formé l'ambassade du Congo aux États-Unis que voilà votre stagiaire, il a disparu. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire uniquement pour honorer Dieu. Souvent les choses mauvaises, on vous les présente sous une face. Là, vous trouvez que c'est beau, tout ça, mais est-ce que ça honore Dieu, cette histoire-là? Bien aimé, pour vivre une vie de sanctification, il faut aimer Dieu et vivre pour lui. Les choses du monde ne doivent plus t'intéresser. Le manger et le boire suffisent.
Si tu as de quoi t'acheter un peu d'habit, ça suffit. Il faut être passionné pour Dieu. Ton premier amour, tu dois le réserver pour Dieu. Je vous ai parlé de Christ, un soldat comme